C'est Drago et bienvenue pour le tuto de la tour du Nether dans les défis Minecraft de Steelhorse. Ce tuto sera peut-être en deux parties. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme et on se retrouve pour le tuto. Donc voilà, donc commençons. Donc ça c'est pour le centre, le morceau de bois. Donc vous allez placer deux stone brick, espacés d'un, un bloc de pierre taillée, une stone brick, bloc de pierre taillée, pierre, voilà. Donc jusqu'à... Wow. Désolé, hein, les petits bugs sur PE. Voilà. Tac, tac. Tac, tac. Et vous montez tout ça 2, 3. Là vous mettez pareil hein, partout et ici vous laissez des trous. Donc voilà, donc quand vous les avez montés, donc normalement vous avez ça. Vous allez prendre pardon. Vous allez prendre vos vous allez prendre ça, des troncs de chêne et des dalles. Ah ouais, après faut s'imaginer qu'on est dans le Nether. Enfin des dalles du bois de boulot. Hein. Mettez des dalles si vous voulez économiser. Vous allez ici, là vous allez mettre ça et ça là. Et là vous allez recouvrir d'escalier comme ça partout et vous allez poser ça. Donc on se retrouve comme ça, là vous allez poser ça et vous entourez partout. Donc on se retrouve juste après. Donc quand vous avez fait ça comme ça, vous voyez, donc les fenêtres en fait, je vous montrer. Donc en fait vous allez poser là où vous avez laissé des trous, une barrière de chêne, une dalle au-dessus, vous laissez deux espaces et vous posez une dalle là. Et en fait ici on peut rien poser, vous voyez, c'est impossible parce que c'est deux dalles. Donc maintenant vous allez prendre des escaliers en briques de pierre. Oups. Moi je le ferai après. Vous les posez là comme ça. Partout. Vous faites ça, tac, tac. Et vous y mettez comme ça. Moi je vais le faire avec vous. Hein. Je vais pas faire des ellipses pour rien. Tac, tac. Tac et tac comme ça, et vous allez prendre aussi ça comme ça, ça comme ça sur la porte. Vous allez les mettre juste à un écart. Et ici j'ai oublié de vous montrer, j'ai oublié de le préciser, c'est là je crois, non là. Vous le mettez là au milieu, ça vous touchez pas. Je reviens juste après. Heureux. Donc en fait pour les fenêtres vous posez des stone brick là et là et des escaliers par-dessus. Donc vous allez prendre la porte en sapin que vous allez mettre à l'envers. Si vous connaissez très bien Steelhorse, vous allez ressortir. Et vous allez... attendez, que je regarde mes plans. Vous allez... Voilà. Donc, vous allez prendre de la brique de pierre. Vous allez la monter de 4 de haut. 1, 2, 3, 4. Et vous laissez des trous au milieu, comme tout à l'heure. Comme ça. 1, 2, 3, 4. D'accord? On se retrouve juste après. Nous revoilà. Donc quand vous avez fait ça comme ça, pareil, vous allez reprendre vos barrières. J'ai fait n'importe quoi. Vous allez en poser une là. Cette fois là, vous allez poser une dalle de briques au-dessus et une barrière en plus. Ici, vous voyez, ça vous le faites. Voilà, tac. Je vais le faire avec vous. Comme ça, pardon. Tac.
Deux barrières, des barrières, défense, défense. Ça change rien, c'est le même mot. Voilà, quand vous avez fait ça, vous allez prendre des dalles en chêne, des dalles en bois de boulot. Donc, vous allez faire un tour, juste le tour avec les dalles en bois de boulot. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, 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 voilà. Et vous allez faire comme ça, avec le chêne. Vous allez tout remplir, mais ne remplissez pas tout. En fait, vous allez laisser un trou là, en fait, vous voyez. Donc là, il y a votre entrée. Et le trou, il est là. D'accord? Donc, on passe au toit. Donc, pour le toit, vous allez faire quelque chose. Attendez, hein. Vous allez... En fait, vous allez devoir poser des escaliers à l'envers. Vous allez faire ça. Ça. Voilà. Un escalier, une dalle, un escalier. En fait, vous allez faire un escalier, une dalle, un escalier, une dalle. Etc. Partout. Donc, c'est pas grave si, si on voit votre boulot. Stealer, s'il l'a laissé, donc. On va le laisser. Vous pouvez le cacher en mettant des dalles. En plus. Comme ça, regardez. Vous faites comme ça. Ça peut marcher. Moi, je vais le laisser comme ça. Tac, tac. Dalle. Escalier. Dalle. Escalier. Dalle. Escalier. Dalle. Escalier. Dalle. Voilà, donc normalement ça ressemble à peu près à ça d'en dessous. Vous voyez. Tac tac, on voit le bois. Maintenant vous allez prendre des briques de pierre sculptées. Ou taillées comme vous voulez. Vous allez en mettre comme ça. 1 sur 2. Enfin, 1 sur 4, on pourrait dire. Enfin, vous laissez 2 d'espace à chaque fois. Comme ça. Donc là, je fais d'abord l'extérieur puis l'intérieur. Parce que c'est un. C'est un peu plus méthodique, on pourra dire. Je vais prendre ça comme ça. Je vais prendre des dalles en briques de pierre. Vous allez en poser une là. Une là et une au-dessus comme ça. Et vous voyez, pour que ça fasse ça. Une là, comme ça. Et après, avec la pierre lumineuse ou la glowstone, hein, s'en fout, c'est la même chose. Vous pouvez faire l'inverse. C'est plus facile pour d'autres. Une dalle là, une dalle là, une dalle là. En fait, ça fait comme si ça tenait la glowstone ou la pierre lumineuse. On s'en fout, c'est la même chose. Tac, tac et tac. Et maintenant, vous allez. Attendez, que je re-regarde. Ouais, si vous entendez une manette, c'est pas grave. C'est mon frère qui joue. Mais, ah oui, voilà, vous allez prendre des escaliers en briques de pierre. Et là, entre les... Comme ça, là, vous allez faire ça. Partout. Et pour la porte, vous allez mettre ça comme ça. Vous voyez, comme pour faire un toit. Et vous allez prendre aussi des torches. Vous allez en mettre une là. Et ensuite, vous allez les mettre partout sur les briques de pierre, comme ça. Pas celle d'en bas. Hein. C'est moche. Alors, désolé, je suis en train de péter un peu le décor. Là. Donc, carrément, c'est là. C'est le bâtiment que j'ai pété. Là. C'est parce que... Ma tablette souffre un petit peu, là. Vu la puissance que je lui demande de prendre. Maintenant, vous allez prendre... Vous allez avoir... Vous allez, pardon, je suis en train de devenir un peu, voilà. On va prendre des échelles, une table de craft ou un établi et un coffre. Ou un chest. Vous allez poser un établi ici. Un coffre, là. Et des échelles jusqu'en haut. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Comme ça. Allez. Pourquoi ça veut pas? Ah oui, pardon, bah, excusez-moi, hein. C'est que sur PE
Je crois. Bah, comme c'est des escaliers, je peux pas en mettre. Bon. Bon, normalement, si vous êtes sur console, vous pouvez le faire. Et quand vous êtes sur PE, bah, vous mettez un bloc. Ouais. Ou sinon, ah oui, regardez, j'ai une idée. Sinon, vous faites un... Oups. Voilà, vous prenez des stone bricks. Voilà, comme si vous êtes sur PE, hein. Vous allez monter les échelles. Voilà, jusqu'à ce que vous ne pouviez plus. Des stone bricks, pardon. Ah oui, regardez. Je vais faire un petit bonus. Donc en fait, vous allez prendre la stone brick, la stone. En fait, vous allez mettre des stone bricks en diagonale comme ça. Et vous allez mettre des dalles de pierre là, là, là et là. Vous voyez, donc de dessus, ça fait un petit joli, un assez joli damier. Et, attendez, parce que voilà. Et d'en dessous, ça va vous faire un relief. Vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous voulez que l'échelle soit au même niveau. Vous pouvez faire comme ça, au pire. Vous mettez deux dalles là. Et vous mettez des blocs là, en fait. Vous voyez? Donc moi je vous fais des propositions, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous êtes comme ça là, quand vous êtes sur l'échelle. Et vous pouvez rajouter, pardon, voilà, des trappes en chaîne. Moi pour le coup j'en mettrai une en sapin, comme je suis dans les dernières versions. Je vais la mettre comme ça, vous voyez. Comme ça, vous avez juste plus qu'à remonter encore. Vous êtes là et vous pouvez tirer sur les blazes et tout le tralala. Donc, si vous avez bien suivi, vous devriez avoir ça. Donc, vous avez fait une belle tour dans le Nether de Steelhorse. Et vous pouvez être fier. Donc, c'est en haut de cette tour qu'on va se quitter. Donc, salut et à bientôt. Si la vidéo t'a plu, laisse un like. Partage la vidéo, mets un commentaire et abonne-toi. Salut!